Allez-y, monsieur, sortez là. Sortez là, jetez là. Trois agents de police pour moi, mais c'est. Bah, monsieur, on tue un homme sous nos yeux et on ne sait même pas si c'est de la légitime défense. C'est un petit peu normal. Ah, bah, si, regardez, j'ai le nez cassé là. Je viens de prendre une balle juste dans le bout du nez, ma jambe. Vous voyez la balle qui est ressortie par la cuisse. Alors, on le voit où le nombre de crédits qu'on a? Ah, d'accord, zéro crédit, c'est bah, cool. Je vais s'il te plaît. Ça rien de dire, la finalité sera la même. On te laissera pas partir avec ton arme, donc autant la déposer maintenant. On gagne tous du temps. Hein. Ménage, donc vous allez être en état d'arrestation, monsieur. C'est énorme lourd. Vous n'avez pas du tout lieu d'avoir ça dans vos armes. Ah, attendez, vous venez de me dire que vous allez pas m'arrêter là. Vous allez dire que vous allez m'arrêter. Monsieur, on n'était pas du tout au courant que c'était une arme lourde. Vous n'avez vraiment aucun lieu d'avoir cette arme en cul. Frère, je t'aimais, mais je vais devoir faire quelque chose. Non mais attends, m'arrête-toi comme ça, wesh. Bon, bah, il sera pas tiré. La prochaine fois que vous verrez une personne en capule avec une arme de ce genre, vous le menottez. Minato, si tu peux juste le menotter, tu le menottes avant de l'envoyer en prison, tu le menottes, tu lui dis que tu l'envoies en prison pour port d'armes lourdes, enfin, tout ce que tu veux. Mais il était au courant, il était au courant. Je sais, oui, mais. Attends, on l'a répété trois fois. C'est toi qui t'es enfermé dedans. C'est mieux, en fait, tu me notes. Bah, je suis pas vraiment enfermé. Ouais, mais. D'accord, aucun souci, passe à la prochaine fois. Je suis désolé, il est préparé psychologiquement, tu vois. Bonjour, monsieur. C'est très bien pourquoi il y est en prison. Oui, là, il est au courant, je sais. Non, mais c'est pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez besoin de soins, monsieur? Non, merci. Ah ouais, d'accord. En fait, faut que j'attende mes crédits. Bonne journée, monsieur. À peu près 24 heures. Bien. Ah, t'as payé combien? Bah là, t'as payé par quoi plutôt? Téléphone. Enfin, bonne journée. Ah, bah oui. Faut lire, hein. Ça y est, n'est pas que c'est fait exprès. Ah, ça y est, il est ouvert. Ah, ça va être chiant. VIP égale 1500$, rien à faire. Dépôt printer. De quoi? Normal égale 500$. Bah, je sais pas, mais c'est, ça veut dire quoi? VIP égale 1500$, rien à faire. Bah, le VIP 1500$, en fait, c'est le prix du. Enfin, pour déposer le money printer VIP. Ouais, mais il dit rien à faire. Rien à faire, ça veut dire quoi? Ah, bah, ça, j'en sais rien. C'est normal, c'est. Comment on voit là? Normal, ça veut dire qu'on doit venir le recharger nous-mêmes ou quoi? Le banquier, il sert à rien si c'est ça. Hein. Non, mais ça, tu peux le faire par téléphone. Ouais. C'est quoi? Et moi, j'ai envie de déposer une printer, mais vu qu'il y a des flics, je préfère pas, quoi. Ah, carrément chez toi? Ouais. Autant le déposer à la banque, puisqu'à la banque, il s'en occupe, donc. Ouais, mais je vais déposer une VIP, hein, donc. Et moi, si c'est un truc comme ça, je me casse pas le cul. Demande-leur s'ils s'en occupent au moins. C'est peut-être simple. Bonjour. Il s'est foutu de ta gueule. Je m'emmerde. Comment il s'est foutu de ta gueule? Va te faire voir. Hein. Oh putain, comment il s'est foutu de ta gueule? Fais gaffe, j'ai une arme, hein. Ah ouais, mais il s'est trop foutu de ta gueule. Il était trop bien son petit rire sournois, tu sais. C'est ça. Oula, ils vont braquer la banque ou quoi? Il me faut toujours peur ceux-là avec les masques là. Ça sert à rien de s'exciter, monsieur. Hein. Oh, vous était là. Il y a un gogol, il me faisait chier à la porte. Il frappait tout le temps. Bonjour, monsieur. Bah, en attendant que j'ai mes trucs. Vous avez besoin de soins? C'est 200$, monsieur. Oh le salaud. Comment on va ouvrir la banque? Ouais, je sais pas si je dépose un printer maintenant. Merci, monsieur, je vous soigne tout de suite. Vous me dites quand c'est bon. Merde, j'ai ramassé un couteau au sol. Ok. C'est bon, merci. Merci à vous, bonne journée. Faites attention à votre vie. Merci. Elle est précieuse.
Je sais même pas combien il m'a donné, je regarde même pas en fait quand je ramasse. Je suis trop con. Je ramasse et je regarde même pas. Peut-être un peu plus. Je te dirai tout à l'heure. Putain, mais le banquier il est long. Bon bah maintenant il faut que j'attende. Oh, il y a un mur à l'extérieur. Oh. T'es où le médic? Faut que je te montre un truc entre nous. Entre nous, j'aurais besoin de bouffe. Ah d'accord, bah va manger, je t'attends dans le restaurant. Et Sacha aussi si tu veux venir. Je suis tombé sur une chose sans le vouloir. Dans. Enfin voilà, tu comprends. Dans la pampa. Attends, c'est combien pour créer un groupe? T'as des mecs qui s'achètent. 20 000. Putain. T'empêche, c'est pas cher. C'est pas cher. Tu peux augmenter hein, ta machine. C'est pas cher du tout. Et ils vont tous à ta machine. Bah encore heureux. T'es vraiment pas cher, on peut te dire. Ouais, même moi j'ai été à la tienne. C'était tout près d'un magasin, enfin d'un... Je surveille s'il y a personne qui vient quand j'ouvre la porte. Il y a des petits filles. Comment il reprend les trucs? Boum, 30 000 d'XP. Je vais le voler quoi? Il y a rien. Soignez s'il vous plaît, je vous paye. Monsieur? Oui. Monsieur? J'ai pas entendu ce que vous a dit, monsieur. J'ai besoin de soins, j'ai besoin de soins. Y a une machine dans la monsieur, rue. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Monsieur? Elle est là, elle m'a tiré dessus. Vous pouvez la fouiller. Vous y a une la fouiller, elle a une arme. Elle m'a tiré dessus. Monsieur, j'affirme que j'ai une arme. Parce que ce monsieur a essayé de me violer dans mon magasin. Non, c'est pas vrai, je vous jure, c'est pas vrai. Elle m'a tiré dessus, elle a rien, elle a pas de dégâts ni quoi que ce soit. Hein. Elle saigne pas, moi, elle m'a tiré dessus sans... Et même pas d'avertissement ni rien, elle m'a tiré, boum, direct. Bon, vous me dites à quoi vous êtes tous les deux là. Monsieur, moi, je suis devant, je suis à l'intérieur. Ouais, je t'attends à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur. Oh ouais, il ira s'acheter un kit. Bonjour. Copie deux fois. Voilà. Bonjour monsieur. Je suis tombé sur ça dans la rue. Sur quoi t'es tombé? Un couteau. Ah juste un couteau. Bah c'est cool. Et je me demandais ce que. Ouais, je me demandais quoi. C'est cool un couteau. Ouais. Un mec sûrement qui s'est fait buter, il a douté. J'ai créé un groupe. Hein. Ah, t'as créé un groupe? Génial. Cool. Ouais. Le groupe des bisounours? J'aurais bien voulu mettre bisounours, mais la femme. J'ai mis un nom russe. Oh, vas-y, moi j'y joue. Avec le coffre que j'ai gagné, je peux me permettre. Donc, on fait comment pour rejoindre ton groupe si tu veux de nous, bien sûr? Il va nous inviter. Envoie un invite. Ok. Je sais pas comment on va accepter, mais. Comme je dis, c'est si tu. De nous. Et on reste tout le temps ou ça s'en va? Et voilà. Maintenant je sais pas comment ça reste tout le temps à mon avis. Ok. C'est F11. Bienvenue F11. Dans votre nouvelle famille. Okay. Ah ouais, F11, membre. F11. Okay, okay. Ça fait quoi en fait? Ah, mon téléphone. Ah, un taxi demande. Bonjour. Venir vous chercher à la série, bien, j'arrive bien dessus. C'est quoi holo dans les options? Je dois aller chercher un gars à la série. Ok, ça marche. Ouais. Bonne route, bon courage, fais-toi pas braquer. Ouais, justement, c'est ça en fait le dilemme en taxi, tu sais jamais s'ils vont te braquer ou quoi. Ouais, bah si ouais. Tu fais pas du metagaming, quoi, tu n'en sais strictement rien. Hein. C'est clair. Il y a des gars qui traversent la route comme chance. Ça. Hein. Merci. La série, c'est par là, ouais. Ouais, la série, c'est là-bas. Ah, ils ont de la chance d'avoir un pilote rapide. Hein. Là, tu as reçu que 500$. Là. Ouais, le pauvre. Le pauvre. Ouais. Je me plains pas de mes 4000, moi. Ouais, moi 2000, donc ça va. Ah ouais, il a eu 500. Ah ouais, attends. Oh, la haine qu'il doit avoir. T'imagines, c'est son tout premier coffret.
Il doit te dire, mais putain! Alors là, je suis juste à côté, faut que je rentre dans la ville, dans quelques tournois. Mais en fait, tu laisses toujours ta porte fermée, quoi. Hein? Ouais, il a pas l'air de vouloir vendre son magasin, lui. Hein. Tu laisses toujours ta porte fermée, tu vends jamais dans ton magasin. Tu fais la machine, en fait. Ouais, mais attends. Ouais, alors c'est déjà, juste pour avoir un local. Entre nous, HRP, c'est un garagiste. C'est surtout que j'attends que monsieur m'explique comment on met des haut-parleurs pour la radio. Ah, des haut-parleurs. C'est pas bon. On entend dans tout le magasin en fait, pas dans tout le restaurant. Moi je sais pas comment on fait. Parce que là il y a que de mon côté en fait qu'on entend. Enfin, il y a que dans un rayon de, allez, on va dire 3-4 mètres. Ouais, ouais, tout à l'heure j'ai vu. Quelle musique je pourrais mettre? On s'en fout. Moi. T'étais pas en train d'essayer de... Non, on peut faire des annonces anonymes, je savais pas. Ouais, tu fais slash anneau. Et ça met notre numéro de téléphone, c'est tout quoi. Non, non, ça ne met rien du tout. Bah là, quand tu fais anneau, c'est toi qui écris ce que tu veux. Tu fais slash anneau. Ok. Et t'écris ce que tu veux. Parce que le mec a mis son numéro de téléphone, c'est bon. Ouais, justement, c'est ça qui est pas trop anonyme, tu vois. Bah ouais. Bah, tu vas regarde, me dire, voilà, il peut pas tu être le retour. T'as vu ce pilote? Alors c'est bon truc ou quoi? Ouais, ça va. C'était un bon. Ouais. C'était un garagiste. Je le fais seulement payer 50 euros. Bah, j'entends pas le son par contre. Non, ça laisse, c'est balancé. Okay. Attention. Tu seras juste 50 euros. Bien, merci monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Oh, t'as pas fait payer assez cher. Pourquoi? 50 euros. Bah ouais. Il fou, il faut en profiter, c'est ton métier. 100$, je suis sûr qu'il te les aurait donné. Hier, il y avait un gars, il m'a payé 1000$ pour que j'attende devant les maisons et tout, pendant qu'il était en train de les braquer, si jamais il y avait les flics ou quoi. Et là, toujours pas de la musique? Ah, lâche-les, hein. Moi, je l'ai pas. Oh là là, tu te saoules hein, t'as jamais les musiques toi. Hein. Oh non là mais tout à l'heure j'avais la musique, tu l'avais pas, mais en fait c'est donc, leur tu truc. Tu peux m'expliquer comment on met des haut-parleurs pour la radio? Pour la radio ça c'est impossible en tout cas. C'est impossible. Bah, comment t'as fait hier dans... Bah c'est autrement c'est quoi, c'est pas les mêmes trucs. C'est des petits sons qu'il y a dans le jeu. Ah d'accord. Ouais du coup j'ai déjà plus ma pub, oh là là, faut que je la refasse. Bah attends, je vais faire un truc. Oh, tu mets à l'entrée ou je de place quoi. Ah, au-dessus du portique, ah ouais, c'est quoi? Ouais. Là, c'est... trop, un petit peu de trop, encore dans l'autre sens, l'autre sens. Ah merde. Voilà, c'est bon. C'était trop haut par contre. Là, je vois. Ouais. S'il vous plaît. Soignez, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Soignez. Je suis blessé. Soignez. Vous pouvez aller... Vous allez sur la grande route, il y a une boîte de médic. Là j'ai ma machine qui est en panne donc sur la grande route, vous regardez un petit peu plus loin devant la banque s'il vous plaît. Juste devant la banque il y a mes trucs de médic. Ils vont payer plus cher comme ça. Et au moins là t'es sûr qu'ils vont payer. Bah oui parce que je sais jamais. Aussi... Ah ouais, 125$ ça m'a rapporté. Il y a aussi le truc, tu vois, quand t'es taxi, il y en a, ils payent pas, tu vois, tu leur dis il faut payer, non, non, ils y barrent. Ouais. Et maintenant que j'ai un couteau, dans ces cas-là, je vais les égorger s'ils me payent pas. Ce sera marrant, je vais être un psychopathe.